sa famille, ses amis et collaborateurs professionnels pleurent sa disparition. Le journaliste Gérard Leclerc, passé notamment par France Télévisions, est décédé tragiquement dans un accident d'avion ce mardi 15 août, en Loire-Atlantique. Celui qui était éditorialiste politique pour CNU avait 71 ans. Au lendemain des faits, Pascal Praud a pris l'antenne pour une édition spéciale. L'animateur de l'heure des pros est apparu très affecté par la mort de Gérard Leclerc, régulièrement présent à ses côtés en plateau. Pascal Praud a eu une tendre pensée pour l'épouse et les trois enfants de Gérard Leclerc. Je salue Julie Leclerc. Elle nous regarde avec ses deux fils. Elle attend le retour de sa fille qui est au Brésil, et doit revenir toute seule aujourd'hui, en France. On imagine la douleur pour elle de traverser l'océan et de revenir à Paris, a-t-il indiqué ému, le regard dans le vide. Plus tôt sur CNU, il avait également exprimé toute sa tendresse pour les proches du défunt. Ce mercredi 16 août marque le premier jour du reste de leur vie, a-t-il indiqué. Avant de conclure, ce premier jour où rien ne sera plus jamais pareil. Ce premier jour sans Gérard Leclerc. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Gérard Leclerc, trois enfants plongés dans le deuil en dehors des rédactions qu'il a fréquentées. Gérard Leclerc était marié à Julie, voix historique de la radio Europe 1. Ils ont fondé une famille composée de trois enfants, Antoine et Mathieu, des jumeaux nés en 1982, et une fille, Charlotte, née en 1987. Cette dernière a été qualifiée de grande artiste par Patrick Chêne à l'antenne de CNU ce mercredi 16 août. De leur côté, les deux autres membres de la fratrie travaillent dans le milieu médical. La famille de Gérard Leclerc est également très liée à Julien Clerc, puisqu'il s'agit du demi-frère du journaliste défunt accidentellement. Tous deux avaient le même père, le haut fonctionnaire Paul Leclerc. Crédit photo, capture d'écran CNU.